Tu l'embauches après une période d'intérim, de CDD, l'embauche doit se faire en CDI. C'est ce que nous proposons à travers d'ailleurs cette loi qui est en discussion au Parlement, c'est donner suffisamment de clarté, de visibilité aux entreprises, mais aussi de formation aux salariés, d'adaptation dans l'entreprise pour qu'il y ait les embauches en CDI. Donc notre volonté, c'est qu'il puisse y avoir ces règles stables, simples, compréhensibles, cette négociation au niveau de l'entreprise qui donne confiance, confiance aux entreprises pour embaucher, confiance aux salariés pour la suite de leur activité. Et c'est la raison pour laquelle, j'y reviens, le projet de loi qui est en discussion en ce moment, il permet et il permettra d'avoir des accords d'entreprise exactement comme vous l'avez défini, pour faire que l'organisation du travail soit la plus à même d'être pour les salariés une manière de mieux vivre et pour les entreprises une manière de mieux produire. Et les deux ne sont pas incompatibles, à condition qu'on ait des partenaires sociaux qui dialoguent et qui soient respectés. L'accompagnement.